Meshaila. Le ciel, oh, Meshaila. Le ciel, oh, Meshaila. Nishaila, lousa kabeden potel. Yo tué président nous, en bas yon là. Yo tué maître Doval, en bas yon là. Yo tué bâtonnier nous, en bas yon là. Yo tué Eric Jean-Baptiste, en bas yon là. Yo kidnappé diaspora nous, en bas yon là. Yo détruit pays à, en bas yon là. Yo bâti jeune yo zam, en bas yon là. Jésus, oh, ça kapé den potil. Bah chante non, mais désolé. Écoutez bien. N'a vive une situation qui est extrêmement compliquée comme peuple. Est-ce qu'on est capable de vivre plus loin? Ça n'a vive là, c'est responsabilité chaque gagne dans nous. Nous-mêmes comme haïtiens, ou même comme jeunes garçons, surtout, qui n'en fait un, qui n'en trentaine même j'avais. Mais écoutez bien, assumez responsabilité, monsieur. Nous pas qu'on voler mettre là. Nous pas qu'on courir toute la journée pour voler. Nous pas un kidnapping, monsieur. Ce n'est pas possible. Nous avons contrôlé les DCPJ. Nous contrôlé la justice. Yo contrôler tout texte, tout ça qui est dans le pays net, pour mettre comme si nous avions en face nous comme peuple. Yo prend propre l'État ou fait goumer avant comme peuple. L'État paye ou ap détruit ou. Yo prend pays en otage. Yo prend toute institution étatique. Yo concentre yo, yo fait yo, mettez yo au service yo en détruisant de nous-mêmes. Est-ce que nous pas mérité faire une révolution? Moi dis oui, nous méritons faire une révolution pour libération pays ça. Quel que soit les prix à payer, n'a fait bataille là. Et je dis encore une fois, Mabdil. Dans toute bataille, dans toute révolution, dans tout gros groupe pour libérer son pays, toujours gagner yon leader. Yon leader qui gagne des hommes et des femmes conséquents, qui compétents, qui gagne capacité, qui ont capacité de réflexion enragée, qui a produit des réflexions à la seconde. Et bien, Mabdil, ça très bien. Grand leader que nous gagnons avec une équipe solidaire, l'irlé Guy Philippe. Et vous devez assumer responsabilité ou. Mettez tête bien sous épaule ou. Pas quitter personne moun à venir attaquer ou. Chaque côté passé ou devez parler de green leader qu'on gagne. Et chaque bataille qui fait qui réussit, c'est un leader que toute nation campe derrière. M'a dit nous campe derrière Guy Philippe. Assumer responsabilité derrière Guy Philippe. Parce que ça qu'on est là, pas qu'il y a l'autre monde qui a retiré là-dedans, c'est seule équipe ça qui a retiré là-dedans. Déjà, nous est ancien sénateur Jacques Sauvé-Jean. Dit que lien pour parler avec leader nous, qui c'est Guy Philippe. Et l'assumer responsabilité, Jacques Sauvé-Jean, nous connaît que son patriote, ou qu'a peut-être des fois, il y a un petit problème. Mais écoutez, c'est lui-même, lui, c'est moun. Lui-même, tout le cas qui est ensemble avant. Mais quelque part, lui est ton haïtien, et ou elle remet Haïti. Guy Philippe commence à parler avec plusieurs autres moun dans la société, là. Guy Philippe ouvert des bras pour parler avec tout le monde. Et m'dil, pour qu'elle prenne téléphone, ni, pour le contacter Pasteur Moïse pour nous. Contacter Madame Oudine Pierre. Contacter comme professeur Soukar, contactez commissaire Muscadet, contactez tout à l'heure conséquent Edo Zeni pour nous parler, pour nous concerter entre nous, pour nous garder comment nous avons fond commun pour Haïti. Contactez Wyclef Jean, entendez-nous, contactez des Haïtiens dans la diaspora, prenez responsabilité de nous, chaque leader, par exemple, leader que nous avons dans la communauté haïtienne, dans Floride, par exemple, Miami, ou bien Floride en général, tout state aux États-Unis, ok? Canada en général, la République dominicaine, nous cherchons des haïtiens conséquents qui pour prendre revendication masse peuple en Dominicaine et que l'immigration a détruit pour nous faire passer. Parce que bataille ça nous gueule là, c'est bataille pour nous rapatrier souveraineté nous comme peuple. Son bataille pour que nous allons mener Haïti sous rail changement et pour nous laver escamp figue pays. Parce que Haïti que nous gagnons, faut que nous tournons avec. Parce que je toujours dis, pas qu'il y a un pays sous la terre qui sorti dans une situation difficile que ces étrangers qui nous retirent. Non. C'est toujours petit li qui brave danger yo, qui pas peur mourir, qui pas peur touye criminel tout pour libérer son pays yo. Et bien, dans ce sens, ça me vient dire nous, pas que étranger qui vient de ranger pays yo. Oui, étranger qui vient assister ou qui ranger pays yo. C'est normal. Parce qu'on vive dans un monde ou pas vivre en vase clos. Ou vivre dans un temps côté que tout le monde a des yeux sur vous et ou a des voisins. De fait, on fait ça pour que vous comportez. Mais la caillou, le la caillou sale. Ou propre la caillou, moun pa ka vin di ou pa propre la caillou. Et ta la caillou est là. Étranger pa ka di nou pa propre la caillou. Eh bien, la caillou sale, ça fait sale. Ces politiciens volent, kidnappent, assassins, gang, terroristes, gang criminels qui fait la caillou sale. Eh bien, moi dis que nous devons assumer responsabilité pour nous propre en dedans la caillou. La caillou, c'est la caillou. Pas de tatou la caillou. Et c'est seul petit la caillou qui ka propre la caillou. Dans ce sens, ça me dit que Guy Philippe lance le nan yon bataille. Monsieur, dame,
route que Guy Philippe fait, là, avec deuxième phase, bataille, pas de possibilité pour que vous-même comme peuple souverain, pour pas libérer. Pas de route pas bois. Pas de passer par quatre chemins. Tout le monde est clair. Moi, prends temps, moi, prends ça pour m'entendre. Alors, déjà dit nous, Guy Philippe a quitté le pays pour tout bon. Guy Philippe a pris ni dans le continent africain. Et Guy Philippe, je le dis là, il a déjà une invitation officielle. L'amène pour la rencontrer à un chef d'État plus puissant en Afrique. Il y a un monde qui a fait parler de lui et que le monde l'a commencé à respecter. Il y a un monde qui prend responsabilité, qui prend engagement. Eh bien, papa ici, bataille pour notre dimension. Et moi, tu sais très bien. Ou même comme jeune garçon qui vit cap haïtien. Ou qui pour devoir assumer responsabilité ou, prends la ouïe. Prends la ouïe parce que, face bataille ça, c'est pas moun qui va le faire pour ou, mais c'est ou même qui va le faire pour tête ou. Face combat ça, pas qui pas vin qui ton leader qui vient dire oui, jouer ceci, jouer cela, craser boule, là où ça vient de nous. Non, pas tant de paroles ça yo. Ou à prendre béton, hein. Dans l'idée pour éradiquer classe politique criminelle d'assassins, femmes et d'hommes, ça. Ok? Bonne théorie, ça, bonne gang de salon, bonne esclave de salon, ça, yo. C'est yo qui véritable cancer, là. Premier engagement, c'est qu'on fixation, l'humain projecteur, nous, sous classe politique criminelle d'assassins vicieux, volé, ça, qui, couronne quoi, on a pas de presse, là. Dernier coup qui pour tuer coucou, et que c'est intelligence que, alors, moi-même tout d'abord, encore une fois, m'a félicité, leader charismatique là, chef révolution, qui c'est commandant Guy Philippe. M'a félicité, monsieur, pour intelligence li. Parce que, après, yon temps silence, et yon temps d'observation, que commandant Guy Philippe a fait, sous équipe criminelle, ça a quitté volé pour voir peuple en bas table, de complicité avec colon blanc qui toujours a détruit nous yo. Guy Philippe dit qu'il pral lancer deuxième phase bataille. Mais cap vraiment structuré et laisse ça tout pays après prendre l'appel. Et de fait, révolution a touché sexe communal qui pile loin en dedans le pays. Et on attendait même dans bouche Timoun, c'est Guy Philippe qui a répété. Bravo leader. Guy Philippe voit que la République de Port-au-Prince sous capital que politicien traditionnel kidnapper yo prend en otage. Pour te sécuriser tête yo, yo te ba zam tout partout dans Port-au-Prince là, pour te faire gang yo sentir Port-au-Prince là. De fait, je dis, gang yo quelque part fâché avec Mathieu. Guy Philippe pour Port-au-Prince là enclavé. Le wa pi gros bataille pour fête là, c'est dans Port-au-Prince. De fait, les gon fixation sur Port-au-Prince. Elle fait appel avec tout moun Port-au-Prince pour assumer responsabilité yo dans cadre d'un dernier combat pour libérer pays. Combat ça, n'est pas facile. Mais c'est nous qui devons faire. Pas de personne qui vient faire pour nous. Je dis à un gros contingent de mobilisation qui a annoncé dans Port-au-Prince, monsieur qui déjà démarré. Vrai mobilisation nous. Son soulèvement général de manière sauvage qui va le marché prend la classe politique traditionnelle d'hommes et femmes gang ça qui prend Port-au-Prince là qui prend pays en otage là. Et mais Guy Philippe pourrait que c'est Port-au-Prince qui prend tout pays d'Haïti en otage. Et bien dans ce sens ça Guy Philippe mande peuple Port-au-Prince là assumer responsabilité nous. Guy Philippe mande peuple voyant dans l'ouest là pour que yo levé campé. Eh ben moun dans l'ouest yo assumé responsabilité yo nan niveau moi mobilisé là nous pas prend temps pour carotte la cuite nous t'ai misé dans route mais nous sur route pour nous porter bonne nouvelle message Guy Philippe là peuple a recevoir et peuple a décidé pour lancer yo dans deuxième phase, révolution pour libérer ce pays. Et je ne te dis, révolution pas qu'on fait dans tes langues. Pacifique, là, n'a pas quitté pour l'idée. Et nous-mêmes, la planche révolution, maman Pemba, Ronald Chéri.
révolution pas manifestation. Révolution pas fête nan criant dans. Révolution c'est marcher prendre garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas fête seul pas gainsan. Révolution c'est à manchette bâton. Révolution v'les y marcher prendre yo. Système pesé sous ses affaires démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution. Population nan si, population nan non. Levez campé, bouche en bouche, joun ti lòt. Révolution, on commence. L'Est, l'Ouest, on allait. Paysan déjà bon, les arrivés. Mais ça va nan li, bataille pays a se nouye. La patrie en danger, révolution on commence. Police nationale, on allait. Bataille pays a se nouye. Où j'en bandit malgré tout. Guy Philippe, on conserve. La méda ici, on allait. Devant ce pays a se nouye. La patrie en danger, nan campé, la poule campé. Ici on allait Haïti, c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquer. Guy Philippe devant, peuple à Deyel. Nous faire 2004, allez voir 2024. Guy Philippe devant, peuple à Deyel. Nous pas marcher prend, assassin criminel yo. Guy Philippe devant, peuple à Deyel. Guy Philippe après, nous pas marcher prend. Nous sous protection, nous sous protection mon mari. Nous pas marcher prend, nous pas marcher prend. Ici, l'Assemblée, l'Assemblée, révolution, dis-nous aussi de la salle, son seul parole d'amour. Révolution liée, révolution, Haïti libéré. C'est révolution tout le pays à monter. Révolution pour Haïti libéré. Révolution pour nous jouer sécurité. Pour diaspora, yo qu'à rentrer. Yo, vite tourner la caille, ça nous dit. Nous voulons révolution, bah nous révolution. Voilà, Ronald Chéri, révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Peuple haïtien, jeudi, c'est dimanche 11 d'août 2024. Moi, content pour que moi, ensemble avec nous, sous plateforme Mampemba, plateforme Pay Poté, plateforme Guy Papa Chalan, plateforme Kabdil Janien, qui c'est plateforme YouTube InfoBetoa. Dans l'idée, pour nous continuer avec bataille ça, nous quoi que nous obligés de rentrer, descendre, alors retourner dans la racine nous. Pour nous chercher les gens qui semblent, les gens qui ont qui remènent, que nous avons fait qui était. Comment Guy Philippe pour mettre tête dans le continent africain dans tant que pour venir yo, quel que soit le prix à payer, et me toujours dire pas de sacrifice qui trop grand pour Haïti, pas de haine, pas de pays qui ennemi nous, pas de peuple qui ennemi nous, mais nous même quelque part nous avons droit pour que nous assumer responsabilité pour payer nous vie, pour payer nous, pour peuple nous fonctionner tant que tout peuple, tant que tout pays sur la terre. La Dominicaine qui colle la veine a fait grand pas nous pareil yo, nous doit remer yo pour effort yo, nous doit presser yo, pas bravo pour yo pour effort yo. Mais dans pays nous, pour qui ça nous est à ça? Ça qui fait nous est à ça? Si nous est à ça, c'est parce que nous pas gagne moun qui prétend payer ça. Eh bien, faut que nous assumer responsabilité nous. Pour nous gagne moun qui met pied ou à terre, qui nous met nos combats pour mener Haïti à bon port. À bon port. Guy Philippe décide de faire bataille ça. Eh bien, nous cherchons tout côté, gons amis, qui voyaient une intervention des jeunes garçons ça, qui actuellement là, qui a peine bralgué 36 l'année. C'est un capitaine dans l'armée Burkina Faso. Non, c'est Ibrahim Traoré. C'est jeune président de la transition Burkina Faso. C'est un coup d'état militaire qui était fait contre un gouvernement élu. Un militaire te prend pouvoir. Le militaire l'en prend pouvoir. Eh bien, capitaine Ibrahim Traoré, regardez le monsieur, il était dans le camp, monsieur, oui. Les gars de loi, monsieur, puis reste avec Pichoul, que Tchoul, que monsieur te combat au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré dit que c'est pas pour ça nous te bataille. Nous te bataille pour nous prendre pouvoir, pour nous mettre l'État au service peuple, pour que peuple ça, capable de sentir que t'es des gens dans le pays qui prêt pour bataille pour lui. Ibrahim Traoré, tes jeunes support, tout reste troupe là,
il te fait un coup d'état sous Putschiste qui te fait coup d'état libre pouvoir. Depuis là ça depuis 2021, monsieur décidé pour le fond bataille. Une révolution. Révolution ça, monsieur décidé dit clairement si nous avons des pays qui ses amis nous qui dans pays nous qui a exploité nous plus passé 50 l'année qui dit qu'il a aidé nous terroristes a fini avec nous, il a kidnappé, il a violé nous, il a détruit nous. Monsieur dit on fout une expérience pour parler sans yo. Monsieur mandé pour retirer quoi yo. Monsieur retirer la force dans pays là. Monsieur retirer la force dans pays là. Retire Burkina Faso en bas domination la France. Ne pas oublier. Bataille ça a commencé dans Guinée-Conakry avec colonel Mamadi Doumbouya bien que Mamadi Doumbouya vient perdre les lignes pour le moment parce que on senti que yo était le monsieur lion noir. Le dragon noir. Mamadi Doumbouya quelque part gon femme blanche tamen li monsieur baï la moula réglé bagaille flâneur courti bicyclette et dans Guinée-Conakry yo monsieur laisser bataille ça. Mais son pouvoir monsieur a perdu tôt ou tard. Il pas ka perdre la travers coup d'état parce que militaire monsieur solide. Mais pas vraiment gagné une révolution qui a fait dans pays et Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya laissez tomber. Mais ouais que Burkina Faso bataille à la fête, monsieur prend pouvoir au Mali avec jeune colonel Assimi Goïta, même combat jeune garçon tout. Oh, Niger qui gagne un général dans la mer qui serait le général Tchani, monsieur dit que il va camper. Oh, général Tchani fessé. Il reste avec au qui était au pouvoir à terre, libre pouvoir. Tout relé par l'empile, Nations Unies par monsieur prend pays. Kounya Niger gain stabilité. Pays yon gen des réformes qu'a fait, révolution tête chargée en dedans toute administration publique là. Eh mais gon faisceau qui fait entre trois pays qui dans continent africain. Burkina Faso, Niger, Mali. Sénégal saute fel, yo prend pouvoir à travers les élections, yo retire nan men tchoul qui était relé Macky Sall. Volé vicieux reste avec, même j'avais volé dans pays d'Haïti yo. Eh mais yo voyez une petite vidéo pour moi. Côté que jeune capitaine Ibrahim Traoré a parlé avec peuple. Alors, ça, les chaque gun dans nous, capitaine m'a gardé là, je dis. Tout d'abord, m'a demandé nous, chaque gun qui là, nous, chaque qui là, écris un espace commentaire là pour nous. Vive président Guy Philippe. Écris un commentaire là. Pas que jette tout ça. Et pas de pouvoir, c'est prendre pour pouvoir. Liberté ou pas de ça, c'est pour prendre liberté ou. M'a demandé chaque gun dans nous, écris vive président Guy Philippe, et puis justice pour président Jovenel Moïse, et puis libération sans condition pour arabe là pour nous. Et trois bagailles pour écrire dans les commentaires là. Chaque grand monde qui trois bagailles pour écrire. Avant de commencer. Chaque grand monde qui a tendu cap cadeau là, on écrit ça pour nous. Vive président Guy Philippe. Ça c'est un. Deux. Justice pour président Jovenel Moïse. Trois. Libération pour arabe là, sans condition. Chaque grand monde, on écrit ça dans l'espace commentaire là pour nous, s'il vous plaît. On nous fait là avec un pile sagesse et puis partager mission pour nous faciliter l'autre haïtien capable tendre. Et M. Sassamaven. Nous prenons le temps de yon intervention. Nous saisis. Le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran fait intervention ça. Entendez, monsieur. Saldia. Et pour mémoire, prenez sur la bito. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Oui! Paola, attendez, Paola, pour moi. Le président haïtien a essayé de changer quelque chose. Il a assassiné lui! Paola Louis, attendez bien. Monsieur arrivé loin, parce que monsieur à Burkina Faso, et c'est loin nous. Monsieur prend exemple. Nous prenons tendez avec un pile intérêt. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Président de la transition et chef de l'État et commandant chef de l'armée Burkinabéa. Je vais le parler. Et lui va regarder sur l'écran. Monsieur Ba, on t'y flash sous assassinat Jovenel Moïse.
bataille à fait. On avance. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Ils prennent chaque fois des exemples. Attendez. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Chef de Moïse. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Mm-hmm. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Okay. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Attendez, Ubeya. Attendez, monsieur, son jeune garçon. Et ça que m'a dit, ou même qui c'est jeune, même j'avais, ou bien pour devoir assumer responsabilité, ou pareil personne, pareil pays, mais bataille pour pays où. Ou d'accord avec? Pareil personne, pareil dominicain, en nous raillit, comportement dominicain comme si envers nous-mêmes, mais ça que fait, premier monde pour nous raillit, c'est dirigeant la caille nous qui fait qu'on pas qu'à vivre la caille nous, qui cause un point humiliation, la caille voisin. Parce que si la caille nous était bon, nous garantis, on tape une toute femme dominicaine, on tape défiler la ville indienne dans le pays d'Haïti pour venir essayer de faire bagaille pour l'argent. Problème c'est pour l'argent. Nous connaissons en bas, sous ta balle, on charge club dominicain, qui problème c'est pour l'argent, vendre quoi pour l'argent. C'est job dominicain. Nous-mêmes haïtiens, nous sommes des rues de travailleurs. Dans l'école, quelque part, nous cherchons travail, et puis nous créons des bagailles pour nous travailler, pour nous faire l'argent. Haïtiens n'ont pas une pratique bousin. Non, haïtiens n'ont pas une pratique bousin. C'est dominicain qui a une pratique bousin. C'est comme ça que lié, en beau créole. C'est-à-dire que, il y a ceux qui n'ont pas l'extérieur pays, hein? c'est pas jouer américain, non, qui solutionne, non. C'est pas jouer français qui solutionne. C'est pas jouer canadien qui solutionne. C'est pas jouer dominicain qui solutionne. Hein? Mais c'est viser qu'on se reste avec esclaves de salon qui décide de prendre pays en otage pour foutre détruire pays, hein? Au profit de l'impérialisme, traditionnel de capable de l'impérialisme là. Mais c'est conseil dans le pays d'Haïti, que nous, la classe politique traditionnelle d'hommes criminels, femmes, ça, yo, qui prend pays ça, en Haïti, qui prend pays ça en otage là, pour nous foutre des guerres dans le pays, là. Capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas monsieur parlé. N'a pas tendé. Parce que monsieur, communique avec peuple en pile, et ça que m'a demandé commandant Guy Philippe, faut qu'il communique avec peuple en pile. Même si c'est de la gradance, réunis peuple en sous place publique, dans gros espace, côté terrain football, parle avec peuple. Mettez speaker, parle avec peuple. Et puis le monde a tendu à regarder. Guy Philippe doit communiquer avec peuple de temps en temps. Guy Philippe doit aller sur toute plateforme média en ligne pour communiquer avec peuple de temps en temps. Parce que révolution, dans tout ça que nous vivons là, c'est communication d'abord. C'est comme ça que lié. Entendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui a parlé de l'impérialisme là. Avec un peu d'intérêt. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Kadhafi a essayé comme ça. Il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire telle personne a régné ainsi, il a la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est pas une phrase.
ce n'est pas qu'une phrase. Très bien. Quand nous disons la patrie ou la mort, ce n'est pas une phrase. Mais son responsabilité, son engagement. On nous reprend parole ça. Parole la loup. Parole la important. Ainsi, il a la CPI. Telle personne n'a rien si il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre vie. Ils ont fait peur, sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Allez, oui. Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique. Et ça qui est important pour que nous connaissions, M. décide de mener un combat dans toute dimension. Il subit plusieurs tentatives d'assassinat. Mais il y a une équipe solide, il y a une armée solide et peuple très veillatif et très vigilant. Burkina Faso sous contrôle. Monsieur a traqué terroriste et monsieur qui support la Chine, monsieur qui support la Russie. Actuellement, là, côté ma parole, volant. Ça va gagner longtemps, là. Ça peut être capable de gagner en 2 ou 3 semaines.
Et monsieur se trouve recevoir l'aide de créance ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans Burkina Faso. Et monsieur fait tout fond là, près de 12 ambassades. Le jour même, monsieur fait une cérémonie officielle pour le recevoir tout. Et pas recevoir grain par grain comme si nous avons un seul coup. Nous planifions une seule date, nous recevons toute tête. Et c'est chef de l'État africain, jeune capitaine Ibrahim Traoré, et son réincarnation de Thomas Sankara. Et monsieur son garçon canson. En entendant monsieur avec un pile intérêt comme haïtien, monsieur son frère africain. On avance. Et pendant que nous avons continué, écrit un espace commentaire là. Bravo, commandant Ibrahim Traoré. Bravo, président. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Et bien, on a demandé pour écrire vive président Guy Philippe pour nous dans l'espace commentaire là. Vive Guy Philippe. Justice pour président Jovenel Moïse, libération pour Arabe pour nous. Comment ça yo apprêté? Faut que nous écrions avec un peu d'intérêt. Attendez ça. Qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Du tout. Ne soyons pas lâches. Jeunesse africaine. Oui, au pas de la peur. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Mais bah on l'a. Ça va de pair. Yon lâche, souvent lâche toujours traître. De boule lâche, ou ap traître tout. Ou pas de lâche. Famille, amis, plateforme YouTube, est-ce que nous c'est lâche? On nous écrit non, nous pas lâche. Et nous pas jamais lâche. Parce que nous c'est petite Dessalines. Nous pas traître, nous pas jamais traître. Parce que nous c'est petit Jean-Jacques Dessalines. Capitaine Ibrahim Traoré, yon frère africain. Ils nous feront, ils essayeront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait, il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Justement. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Byakabola. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Byakabola. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-il fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boafle. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue. Les faits sont là. Les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit
si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Attendez, oui, c'est une parmi nous-mêmes qui ont toujours utilisé, alors qui était un véritable tchoul, un véritable reste avec, mais qui pouvait nous détruire. Nous. Nèg sa nous gagne. Par exemple, Logan de Michel, ou doit éliminer. Ou Gounel Kassi, ou doit éliminer. Parce que ces majorités, nous devons prendre des décisions drastiques en faveur de la majorité. Nous devons prendre des décisions qui sont bonnes pour la majorité. Et ces décisions, nous devons prendre. Si nous ne prenons pas le bonheur, dans le temps que nous prenons là, puis après le pétrice, parce que quand nous prenons grave en pile, quand nous avons très critique, parce que c'est extrêmement compliqué pour nous, là nous avons des voix ou des criminels, des gangs sales, qui décident d'utiliser nos conditions pareilles, là nous pas qu'à têter langue. Nous pas qu'à acheter figue. Ça qui a passé là, les plus que grave. Et ça que nous devons attendre, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui explique ça. Et c'est la même réalité pour nous-mêmes en Haïti. Ok? En avance, peuple haïtien. Entendez, monsieur, jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition dans le pays Burkina Faso, chef de l'État et commandant chef de l'armée Burkinabé. En avance. Je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ces phénomènes qu'ils ont aussi utilisés depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créés, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et ce talibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Mm-hmm. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Oh! Si vous regardez, vous comprenez de quoi je parle. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Très bien. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Mm-hmm. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Justement. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Justement. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Non. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. C'est vrai. Les incompétents
sont dangereux. Extrêmement dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. C'est vrai. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slameur, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormi, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient le terme de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. Mm-hmm. C'est soi-disant démocrate, mm-hmm. mais regardez le monde. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? Whoa. C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Justement. Ça ne s'impose pas. Mm-hmm. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez. Est-ce qu'on attendait avec un pile intérêt? Est-ce qu'on attendait même j'avais? Mais l'entendait avec Zoré, je m'attendais. Je m'attendais là. Je l'absonnais. Ouais, monsieur, c'est comme Abdjou. La nature qu'on a qu'elle fonctionnait. Plus de 30 ans après l'assassinat, père de la révolution, Burkina Faso, Thomas Sankara, Ibrahim Traoré paraît dans la façon de paraître là. Monsieur fait trembler les esclaves de salon africain. Il y a Tchoul qui l'a depuis des années. Et Konze reste avec Tchoul qui t'a tué Thomas Sankara pour te faire plaisir avec soi-disant pays ami. Il y aurait les monsieur réincarnation de Thomas Sankara. N'ayon sommet des chefs d'État africains qui étaient faits dans le pays là aussi, monsieur te fait trembler, président Vladimir Poutine, et tout le monde t'a parlé, Jean que Vladimir Poutine a une fixation sur monsieur, et même dans la photo qu'a fait, où est Poutine a déplacé, après le salut monsieur spécialement, et m'a dit monsieur tête à tête par la suite. Où doit un caractère comme monde? Ou doué caractère, ou son homme d'état ou doué assumer responsabilité ou
du caractère d'homme d'État. Cour président là aussi. Mais président pas écrit déjà, non? Je suis président. Je suis président Burkina Faso. Poutine ou monsieur qui caractère comme moun. Le monsieur qui casse son entaille, elle décide de supporter monsieur. Et supporter peuple Burkina Béa. En avance. Nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Bon problème. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et ils se mettent à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre ? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Très bien. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. C'est vrai. Il y a des désordres quand il y a un accident quelque part. Et si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. C'est clair. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire que eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos devanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. L'impérialisme. Et vous jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, Burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord.
et le journaliste a dit « mais il meurt de faim en Corée du Nord ». A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim ? Jamais. L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. C'est vrai, c'est vrai. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait ? Faisons attention à la communication. Faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Mm-hmm. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Justement, il faut peut-être pas ensemble. La lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Justement, clair. Mm-hmm. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler. Justement. De nous conscientiser et je vous invite à répartir. Dis mon Dieu, merci pour ça. À se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisant alimentairement, soit une réalité. Pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que je reviens sur votre thème. Il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura c'est pas vrai. De sécurité. Et c'est ça que Ghana s'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc, est-ce que nous comprenons ça, Abdoula? Vice versa. Si pas de développement, et peut-être bien oui, si pas de développement, pas de sécurité. Si il y a insécurité, si situation que nous vivons en Haïti, monsieur décrit quelque part pour nous. Vous comprenez? Nous avons un pays côté Kenegio, yo, pas de développer, et bien quelque part, pas de sécurité. Vous comprenez? Nous avons un pays côté Kenegio, yo. Et encourager l'insécurité quelque part pas qu'à gagner développement et c'est ça la question ça nous doit bannir dans la société là c'est clair deux doivent aller de pair. Mm-hmm. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production, produisons suffisamment, transformons sur place nos matières premières pour mm-hmm. que ce soit bénéfique pour nos populations et en vue d'exportation. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, président en chef, alors commandant en chef de l'armée Burkinabé. Et c'est lui qui t'a parlé là. Monsieur prend des exemples qui clairs. Et monsieur dit en pile bagaille qui est extrêmement important et c'est la vérité. Et monsieur décrit la réalité nous pendant qu'il a parlé avec le peuple Burkinabé. Indirectement, monsieur parle avec nous. Et peuple haïtien, monsieur, que nous tendez. Bataille ça pape kakampi. Mande vive Guy Philippe pour moi espace commentaire là m'écrit écrit ça pour moi. Vive président Guy Philippe. Vive Guy Philippe. Parce que faut qu'on gagne haïtien qui gagne caractère qui gagne sang révolutionnaire là. Alors comment ça me dit là tout naturellement Guy Philippe ouel dans discours ouel dans des matchs li ouel dans prise de position Guy Philippe pas n'importe qui. Son élément qui extrêmement pour nous et comme peuple et nous doué sécuriser Guy Philippe. Nous devons supporter dans toute démarche. Ou pas ça, M. Doula? M. Répète non, Jovenel Moïse, oui. Répète non, été assassinat président, non, oui. Tendez ça, non. Tendez. Ils prennent chaque fois des exemples. Uh-huh. Ils nous diront, vous savez, uh-huh. Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Uh-huh. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça. Il est où? Il est mort. Ah, papa! Le salaud! On met le feu dans mon pays.
T'es salo, on me le fait dans mon paradis. Le salo, on me le fait dans mon pays. Aïe, aïe, aïe. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bête et méchant. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. C'est gros causé. Comment monsieur il encore? Alpha Blondie, comment elle chante musique ça? Pas songer musique là. Et situation que nous vivons comme peuple, temps a évolué. Si que nous sous bataille, monsieur que nous avons plus d'outils pour nous bataille. Mais nous devons les épaules pour tout bon. Parce que responsabilité, yon pays, le en difficulté, c'est peuple. C'est peuple qui pour le coller les épaules. Gonfle poignette. Fait tout ça qu'on connaît pour aider pays ou sorti dans situation difficile qu'il trouve. Nous devons battre peuple haïtien. Assumer responsabilité nous. Pour nous permettre que Haïti sont-ils en trop difficile que vous mettez là? Nous ka bataille. Même Jean, président Ibrahim Traoré dit là, il m'a dit tout peuple africain, c'est uni pour nous, uni nous. Moi, m'a parlé tout peuple haïtien, à nous uni nous, mettez tête nous ensemble, pour nous mener vraie bataille là, pour nous t'avoir libéré pays là. Monsieur parle en pile toujours. Ça sorti extrait l'intervention qu'il fait que me partage ensemble avec nous que grand pile amis qui voyait pour moi tout. Si nous sous-tendez plus moi me grand pile, me gain plus et n'a pas en pile qui choye. Et c'est là monsieur parle. Révolution au pays pas faite dans tête langue. Il pas faite dans acheter figue, il pas faite dans garder moun dans visage. Nan peur, ou yo ka touye, yo ka dis, yo ka... Pa gen moun ki pa mouri. Même moun ka pense pou l'touye moun nan, li tout la mouri. Est-ce que nous là? Même moun ka pense, ou ka fait pression, dit qu'elle ka tue, elle ka rache, ou ap tue, ou ap rache, ou ap boule, ou ap mouri quand même. Et fait son fait. Vire tout, ou ap mouri quand même. Tout le débat, touye moun, ou ap mouri quand même. Fait sauve, ou ap mouri quand même. Ou pas jamais katoué tout le monde sur la terre. Au niveau privé, c'est stopper ou stopper dans la pratique violence là. Et ou prendre décision pour que ou suspende tout le monde. Et autant des majorités à cap souffrir, commettre dans la souffrance là, pour bal possibilité pour continuer à fonctionner. Violence ou un pape mené ou pièce côté. Et pas de monde qui a jamais peur. Même si ou violent, et pas jamais peur. A toujours de monde qui a sens de responsabilité, qui a ce qui a son entaille, qui a campé devant, qui a du barré l'argent qu'il y a. Pas jamais peur. Parce que nous avons tout le monde qui va jamper. Même dit très bien. Haïti qui nous a gardé là, il va là pour compter. C'est Haïtien, esclave des salons qui met tête ensemble et des criminels de tout pays. Et des ennemis pays de tout pays. Moi-même, je crois que Haïtien qui a organisé pour nous retirer pays, l'entrou qu'il trouvait là. C'est Kounian Bralton de Ibrahim Traoré. Nous te condamné, monsieur. Nous vous condamné, monsieur. Et capitaine Traoré, monsieur dit en pile causé. Monsieur parle en pile bagay. Et que peut-être ennemi Haïti, il doit pas avoir courage pour tant délit. Qu'on se reste avec tu, l'esclave des salons dans le pays d'Haïti, yo. T'as qu'on gare iconi, yo. Y'a pas senti confortable pour y'en d'elle. Et qu'on lève cette tête-là, ça nous relève G9, qu'on lève 9 têtes-là, ça nous relève G9 en famille à l'IA. Y'a pas de courage pour y'en des vérités, ya.
mais de fait, l'a parlé quand même. Et l'a continué à parler dans toute dimension. Nous prenons engagement, nous prenons responsabilité pour nous aider à Haïti sortir là. Nous connaissons conséquences pas piti parce que le groupe qui mettait là est extrêmement violent. Mais de fait, il n'y a pas là pour tout le temps. Gon côté ça a privé, l'a fini. Et ceci, n'importe qui j'en l'a fini. N'importe qui j'en l'a fini. Parce que Haïti n'est pas capable de continuer comme ça. Quel que soit le prix à payer, criminalité, ça a fait l'exploitation, l'a fini. Reste avec yo, esclave de salon yo. Yo gen pou yo pa la. Parce que nèg yo méchant. Nèg yo criminel à l'extrême. On fait toute qualité de crime. Nous tuer journaliste, tout tout monde de bien. Et m'a dit non. Nous pas là pour tout le temps. Gon côté ça privé. L'a fini. Et vous mettez quoi? L'a fini. Parce qu'on va venir pour faire wash. Voilà. Et gros mobilisation annoncée pour aujourd'hui a déjà démarré en pile côté à chauffer. Et nous traînons en pile son de cloche. En pile citoyen prévoit après la rue. Nous prenons le temps de nous prendre si nous avons joué Pascal pour nous regarder comment ça y est dans Port-au-Prince avant que nous traversions dans l'autre chapitre et dans la cour pays d'Haïti. Et nous prenons le temps comment ça y est si nous jouons Pascal pour nous affronter parler pour nous connaître comment Port-au-Prince y est pour journée et jeudi en sorti midi pour arriver là nous y est là. Nous prenons le temps si nous avons joué Pascal, qui peut être pas facile parce que dossier qui est pour avec Internet en Haïti et son catastrophe, son bagage tête chargé, vous comprenez moi? Nous allons, si nous avons joué Pascal, mais qui peut être pas facile hein, parce que nous avons essayé de connecter avec là, nous pas facile. Connecter avec Pascal, pas vraiment facile dans le moment. Et maintenant, PC continue. Alors, pour Flash, pour Média, et alors, pour les affaires et politiques États-Unis, en plus, les amis, avez-vous un message pour nous? Nous connaissons le dossier, nous suivons de près, parce que nous voulons informer nous voulons informer tête nous, pour nous comprendre, et pour nous faire un petit balancement avant, sur le dossier politique et américain. Et li important. On fait si parler de lui. Alors ici aux États-Unis d'Amérique, dossier politique là chaud. Équipe républicaine a valé terrain bon côté pâle, équipe démocrate là a valé terrain bon côté pâle. Madame avec rivé vice-président Kamala Harris comme candidat officiel pour parti démocrate là, données politiques ont changé aux États-Unis d'Amérique. Madame Kamala Harris est quelque part fait peur avec républicain yo. Nous voyons que le président Donald Trump a essayé de changer de discours quelque part. Madame Nan, eh ben, a montré que il va venir pour la paix. Et il a demandé officiellement débat avec président, avec candidat à la présidence républicaine. Que président candidat à la présidence républicaine pas fait back. Garçon, quand on monsieur Baron Pertou, monsieur répond oui. Et monsieur demandé l'autre débat encore. Monsieur demandé l'autre débat encore. C'est-à-dire que son débat qui a continué pour mois de septembre. Et n'a pas connu de quoi c'est et qui est-ce qu'a fait lui c'est un gros média américain yo qui a fait premier débat et l'autre média qui a continué c'est trois débats suivis monsieur que madame Kamala répond ou bien pour répondre et n'a pas tant ça qui pour sortir là et dossier et dans débat ça parce que journée 10 septembre ça pral mauvais en pile pour tout haïtien qui intéressé par intéressé pour connaître ça qui a passé dans la politique américaine, non? Eh ben, de fait, yo connaît un jour, 10 septembre, ça, l'heure là, sont les cap importants pour yo, et tout américain, tout,
plus passer 300 millions américains déjà mobilisés et ouais mon mobilisé sont là je fait ils ont montré que mon yo intéressé pour entendre comment Kamala Harris par la fontrée par la fontée pardon par la fontée et président et Donald Trump c'est gros cause oui et ouais madame et déjà madame ça gros monsieur de Dolly et qui s'estime en monsieur c'est un gouverneur et son garçon il est monsieur papa bon cœur en bon créole, vous comprenez-moi, il est monsieur papa bon cœur, moun tout moun, et son nèg qui fait preuve li comme yon citoyen du monde, OK? On nèg qui défend tout moun, et ba c'est selon couleur peau, pareil ba comme ça, monsieur défend tout moun. Et c'est une longueur que monsieur gagne sous équipe alors on capable dire vice-président que dans notre choisir. N'a suivre ça de près et c'est un dossier qui est intéressant parce que pas oublier politique États-Unis intéressé toute nation dans le monde là. Vous de Gonzaï, il intéressé toute nation dans le monde là. Vous ne doit pas intéressé par la politique pour comprendre ce qui a passé yo. Il est intéressant pour qu'on comprenne ce qui a passé yo parce que politique monde là Gonzalié et c'est de bagay tête chargée. OK? C'est de bagay tête chargée. Qui a mené nous à des résultats tête chargés. Vous comprenez? Normalement, nous pourrons aller faire un petit temps de, en plus, une intervention que le président Ibrahim Traoré fait. Côté que monsieur parlé avec deux responsables, capable de dire non. Et alors mon ça nous relé impérialiste c'est va être chargé monsieur parler avec vous et monsieur t'a gagné avant ça que monsieur t'a fait que m'était partager ensemble avec nous m'a fait tout notre petit extrait là-dedans en attendant moi viens avec maman paye pour nous et pour nous traverser dans dossier gang yo en Haïti parce que gang yo fait une sortie là qui paraît ta sortie on va le faire tendre de ces gang yo tout à l'heure en avancer président Ibrahim Traoré en attendant dans discours avec peuple et on regarder vidéo à même façon qu'il a pas de sel avec peuple burkinabé qui alors monsieur c'est chouchou pour le moment en tant que monsieur je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu oui. qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisé les Waïa, jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Donnez oui. Et c'est ça que moi dis. Comprenez quelque chose. Écoutez, bah, vous prenez ça encore. Et l'on pas parler, c'est manipulation qui prend terrain. C'est ça que l'on m'a vu dire, il faut que Philippe suspende parler. Faut qu'il parle. Comment faut-il parler? Faut parler parce que l'on pas parler. Détracteurs, assassins, vicieux, corrompus, restent avec eux, esclaves de salon. Yo prend espace là pour yo. Yo occupe l'opinion. Guy Philippe, faut qu'on parle. Yo doit continuer à parler avec Pepou. Très intéressant. Afin d'aller Guy Philippe. Jour et nuit. Utilisez pour ne pas parler. Puis, vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses
qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Attendez, oui, même quand c'est qu'il y a pour nous en Haïti, on détruit nous. On vole, on conseille, on restaure. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste « Allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. » Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un
qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Mm-hmm. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Bien calculé. Oui. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. Mm-hmm. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. D'accord. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Oui. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir.
parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leur pensée. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Oui. Effectivement. Oui. Lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. La bataille. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Ah, clair. Très bien. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens.